Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Fiche Morocco 2010. Le salon de la pêche s'ouvre aujourd'hui à Agadir dans le sud du Maroc, un événement très attendu par les professionnels du secteur. Les organisateurs tablent sur 15 000 visiteurs et ce qui distingue cette 7e édition, c'est surtout Aliotis, le nouveau plan de développement de la pêche. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdelftah Zine, il est le commissaire du salon. Aliotis donne une vision aujourd'hui au secteur, cette visibilité qui est attendu depuis des années par les opérateurs et donc la bienvenue. Cette visibilité, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, s'inscrit autour des trois axes que sont la durabilité autour de la préservation et de la meilleure manière de pêcher. Aujourd'hui, c'est le principe de pêcher mieux et de valoriser plus qui prévaut. Le deuxième axe, c'est la performance. La performance, ça veut dire que tout autour de l'activité pêche, il faut qu'on ait les bonnes conditions d'exploitation, à savoir débarquer notre poisson dans des conditions correctes et comment l'acheminer vers les différents destinataires. Donc le troisième axe, c'est celui qui met en avant la notion de pôle de compétitivité régionaux, dont le premier a déjà été inauguré par Sa Majesté. Et on reste au Maroc, un drame à Casablanca, un incendie s'est déclaré dans un bidonville à Hey Mohammadi. On compte un mort et 8 blessés. Le feu a fait des dégâts matériels aussi. Les flammes ont détruit plus de 30 commerces, selon a indiqué la protection civile. Comment renforcer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? 4 ans après la création de l'instance, la question est au cœur des débats. Une réunion du groupe de réflexion a été tenue ce matin. Un groupe informel qui s'est réuni à Rabat. Il y réunit plus de 20 pays. Pour la réforme du Conseil des droits de l'homme, nous avons déjà entendu un certain nombre d'idées lors des réunions précédentes de Mexico et de Paris, en particulier sur l'examen périodique universel, comment le renforcer, le rendre plus efficace, peut-être plus fréquent, plus sérieux aussi, en donnant plus de temps pour les questions, mais également tous les ce qu'on appelle les procédures spéciales, c'est-à-dire des rapporteurs spéciaux sur des sujets thématiques ou sur des pays, l'implication également des ONG, puisque vous le savez, il y a un certain nombre de critiques qui ont été formulées contre ce Conseil. Donc, quand il a été mis en place, ceux qui l'ont créé, dans leur sagesse, ont prévu un exercice de bilan et d'amélioration. Donc, nous en sommes là. Et presque partout à travers le monde, les droits de l'homme sont constamment violés. C'est l'une des conclusions du rapport annuel d'Amnesty International. Beaucoup de mauvais élèves parmi les 159 pays cités dans le document. L'organisation dresse un tableau sombre de la justice mondiale. Les détails avec Mathilde Blanchet. C'est un rapport qui n'épargne pas grand monde. Comme chaque année, Amnesty International distribue ses bons et ses mauvais points aux États. Leur constat, il y a beaucoup à faire en matière de justice internationale et dans ce domaine, aucun pays n'est exempt de reproches. Notre rapport montre que les États puissants se placent au-dessus de la loi et protègent leurs alliés. La justice n'est faite que lorsque c'est opportun. Nous appelons tous les gouvernements, spécialement ceux du G20, à rejoindre la CPI et à mener les responsables de crimes contre l'humanité devant la justice partout où ils sont. La Cour pénale internationale a franchi un grand pas l'an dernier avec le mandat lancé contre le Soudanais Omar el-Béchir ou bien les premières audiences des Khmers Rouges. Mais c'est encore beaucoup trop peu, estime l'ONG. Les États-Unis, la Chine et la Russie doivent reconnaître la Cour au nom du principe selon lequel nul n'est au-dessus des lois. Selon Amnesty, Washington a fait des progrès encourageants depuis l'arrivée de Barack Obama, mais il y a encore du travail. Guantanamo existe toujours avec tout ce qu'il représente comme réalité de violation des droits humains et comme symbole. Et puis, il y a un refus de l'administration Obama de faire toute la lumière, la vérité et la justice. Nous parlions de lutte contre l'impunité tout à l'heure, sur les violations passées des États-Unis dans le cadre de ce que l'administration Bush appelait la guerre contre la terreur, la guerre contre le terrorisme. Autre grande problématique épinglée par le rapport, le conflit israélo-palestinien, la guerre civile au Sri Lanka, la répression politique en Russie ou en Chine. Et la France s'est également montrée du doigt cette année pour ses violences policières et pour sa politique d'expulsion des immigrés.
Le dossier de la paix au Proche-Orient à présent, les tractations diplomatiques s'intensifient. Benjamin Netanyahu est à Paris et après la France, le Premier ministre est attendu à Washington. Une invitation personnelle du président Barack Obama lui a été adressée. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Rahm Emanuel, s'est rendu à Jérusalem, une tentative d'apaisement des relations toujours tendues entre l'État hébreu et Washington. L'actualité aujourd'hui, c'est également la crise coréenne. Après la guerre des communiqués, le Sud lance un exercice sous-marin. Le Nord brandit la menace d'une attaque militaire. Le Nord qui veut annuler un accord visant à prévenir des accrochages en mer Jaune. Pierre Le Duf. Des camions sud-coréens traversent encore la frontière malgré les graves tensions entre les deux pays. Alors que la Corée du Nord a annoncé aujourd'hui qu'elle allait abandonner un accord destiné à prévenir toute confrontation armée, la marine sud-coréenne a, elle, lancé des exercices anti-sous-marins. Des exercices de prévention, car c'est le torpillage d'une corvette sud-coréenne le 26 mars dernier qui a déclenché cette crise. Une enquête internationale a conclu à la responsabilité d'un sous-marin nord-coréen. Il ne s'agit pas d'un acte isolé de la part de la Corée du Nord. Une enquête doit déterminer s'il s'agit d'une violation de l'armistice. On parle bien d'armistice car aucun traité de paix n'a été signé par les deux Corées depuis la guerre achevée par une simple trêve en 1953. Washington s'efforce de désamorcer les risques de conflit et appelle Pékin à pousser la Corée du Nord vers plus de modération. Pyongyang n'hésite pas en effet à menacer d'une guerre totale. À Séoul, les manifestants anti-nord-coréens ne décolèrent pas depuis le naufrage qui a fait 46 morts. Notre peuple est furieux à propos du naufrage du Shenhuan. Nous sommes ici pour montrer que nous allons punir le Nord et pour prévenir Kim Jong-il. Le premier ministre chinois Wen Jiabao doit se rendre demain à Séoul. Certains espèrent qu'à cette occasion, la Chine approuvera les conclusions de l'enquête internationale sur le torpillage. La semaine prochaine, la Corée du Sud devrait saisir le Conseil de sécurité pour dénouer cette crise. Autre crise aux États-Unis, cette fois embarrassée. British Petroleum l'est de plus en plus. La compagnie reconnaît que l'explosion de sa plateforme il y a un mois pouvait être évitée. Sous le feu des critiques, le groupe pétrolier lance une opération délicate. Ses techniciens injectent un mélange de boue et de ciment pour endiguer la fuite de pétrole. Stéphanie Trouillard. L'opération était baptisée Top Kill ou étouffement par le haut en français. Une opération des plus délicates pour le groupe britannique BP. Un défi technique pour stopper définitivement la fuite de pétrole. La procédure consiste à boucher le trou en y injectant des boues lourdes pour réduire la pression, puis à sceller le puits avec du ciment. Pour le moment, l'opération semble fonctionner, mais rien n'est encore gagné. Cette technique n'a jamais été utilisée à 1500 mètres de profondeur. Nous allons continuer à observer le puits. Nous allons peut-être devoir continuer nos opérations de pompage, puis finir le travail en le cimentant définitivement. Nous espérons que ces opérations soient terminées dans les prochaines 24 heures. Et je voudrais insister sur le fait qu'il faudra peut-être plus de temps. Nous voulons mener à bien notre mission. À l'image de son puits défaillant, le groupe britannique est en effet sous très haute pression. BP est accusé de toutes parts et a été forcé de reconnaître hier que des défaillances étaient apparues avant l'explosion de la plateforme le 20 avril dernier. Selon une enquête interne de la compagnie, trois signaux se sont déclenchés au cours de l'heure qui a précédé la catastrophe. British Petroleum est aussi critiqué par les habitants et les autorités pour avoir minimisé l'ampleur de la fuite. Aujourd'hui, plus de 160 km de nos côtes ont été touchés par la fuite de pétrole. C'est beaucoup plus que les côtes du Mississippi et de l'Alabama réunies. 160 km de côtes sont touchées. Nous ne pouvons plus attendre. Les opérations de nettoyage ont malheureusement été fortement ralenties aujourd'hui. Les 125 bateaux de pêche qui y participent ont été rappelés, car 4 marins sont tombés malades à cause des inhalations de pétrole. On parle musique avant de se quitter. Un moment très attendu de la 9e édition de Mawazina, méga concert hier à Rabat, le concert d'Elton John. Pendant 3 heures, la star britannique a interprété ses grands succès. Les Rabati étaient au rendez-vous, un public nombreux. Quelques 40 000 personnes ont assisté au spectacle sous un dispositif impressionnant de sécurité. Voilà, c'est la fin de cette édition.